wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flow. Vibrate the whole building, ringing through. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtuos. J'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC pour vous présenter un tout nouveau mode. Alors je vous remercie car hier vous avez été très nombreux à aimer la maison moderne que je vous ai présentée dans le centre-ville. On a dépassé la barre des 500 likes et ça me fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui je vais pas vous présenter une voiture, je vais pas vous présenter non plus une villa ou une maison. Je vais vous présenter une petite modification qui a été réalisée à la base militaire et je la trouve vraiment stylé. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore capté, je vous présenterai un nouveau mode tous les jours à 21h. Donc comme ça, ce sera vos petits rendez-vous dès 21h sur ma chaîne YouTube pour juste avant d'aller vous coucher, vous regarderez le mode si jamais vous en avez envie. Aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter, je demande toujours à l'avance ce que vous voulez que je vous présente, si c'est une modification de map, une voiture, une maison, une villa ou autre chose, histoire de varier un petit peu le contenu, histoire que ce soit pas toujours la même chose, car si je vous présentais tout le temps des villas, ça serait limite trop chiant pour vous. Donc du coup là je vous présente une petite modification à la base militaire. Alors on va commencer, il y a plusieurs lieux hein. Donc la base militaire, vous savez où est-ce qu'elle est, mais dans la base militaire il y a plein de choses qui ont été modifiées et rajoutées et vous allez voir qu'elles sont vraiment stylées. Tout d'abord ici nous avons un sorte de... Attendez, je veux juste... Voilà, je retire les gyrophares. Je la trouve vraiment stylée, cette Volvo des sapeurs-pompiers, des secours médicaux. Elle est vraiment stylée, c'est pour ça que je la conduis. En plus, c'est une voiture type française. Donc voilà, petite dédicace à la France. Là, on peut apercevoir pas mal de camions de pompiers. Je sais pas trop ce qu'ils foutent ici. Il y en a un qui fume avec un... Il a l'envers. Je comprends pas trop pourquoi il y a... Ouais, bon, j'ai compris qu'il y avait une caserne, mais bon... Regardez-moi ça. Ça a aucun sens que le camion de pompier se retrouve comme ça. Pareil pour les autres camions de pompiers. Enfin bref, c'est assez bizarre. Salut les potos. Bah écoutez, je vais vous laisser cette voiture là et moi je vais en prendre une autre. Une autre que j'ai rajoutée tout à l'heure. Hop, je vais me la prendre. Elle sera beaucoup plus stylée hein. Ah, qu'est-ce qu'on est mieux quand même avec une Porsche de 1973. Ah là là. Bon, on va aller regarder ce petit endroit où il y a plein de militaires qui sont là. Alors, on va faire genre qu'on est le boss. On est le boss de la base militaire. Et du coup, on se ramène bien évidemment avec une voiture de luxe. Hein, voilà. On vient ici. On se gare ici en mode je m'en bats les couilles. D'accord, il n'y a pas de portière sur la voiture. Voilà, je viens parler au commandant. Ouais, vas-y, salut, ça va, c'est quoi l'opération? Ouais, vous devez faire quoi? Ouais, d'accord, ok. Et là, il y a tous les militaires qui sont alignés. Alors, on va leur parler 2 minutes. On va aller leur parler parce qu'ils ont l'air très concentrés. Qu'est-ce que tu veux, toi? Non, je vais pas te faire des choses derrière toi. T'en fais pas. Lui, il est en train de faire l'appel. Alors, écoutez-moi, bande de petites pédales. Vous avez beau avoir des muscles que je n'ai malheureusement pas. Vous avez beau avoir des pectoraux que je n'aime pas non plus. Vous allez m'écouter puisque vous êtes à mon ordre. Et si ça ne vous plaît pas, bah vous irez limite vous faire foutre. Toi, t'as un problème? Viens, on va s'arranger. Viens, on va s'arranger. Parce que tu manques pas de respect à ton patron. Ok, donc écoutez-moi bande de petites pédales. Vous êtes maintenant sous mon autorité et vous allez tout simplement exécuter la mission suivante. Vous allez aller chercher dans Los Santos tous les tueurs de loups. Si vous ne me les ramenez pas, c'est moi qui vous emmènerai dans un zoo pour que vous fassiez tuer par des loups. Est-ce que t'as compris, le chauve? Est-ce que tu as compris? Il me répond pas, espèce d'enculé. T'as pas compris? Tiens, je vais te mettre, regardez. Voilà, je lui mets une balle dans la tête parce qu'il avait pas compris. Donc du coup, vous avez votre mission et c'est parti, vous montez dans le Titan. Vous serez parachuté au-dessus de la forêt, dans les alentours de, je sais pas, il est quelle heure? Il est 19h, aux alentours de 20h. Aux alentours de 20h, vous serez parachuté dans cette zone et vous ne reviendrez pas si vous n'avez pas tué toutes les personnes qui tuent les loups. Voilà. Est-ce que c'est bien compris? Vous êtes censé répondre oui, chef. Espèce d'enculé, ils répondent même pas. C'est quoi ces militaires à la con, là? Vas-y, refais l'appel, là. Vas-y. C'est le petit sketch. Le pire, attends, je sais pas, c'est quoi le pire? C'est le fait qu'ils me répondent pas, qu'ils ne réagissent pas. Mais le pire, c'est quand même qu'ils ne réagissent pas puisque j'ai tabassé et tué 2 de leurs amis. Ils réagissent pas. Il a tué? Oh, bah écoute, c'est tout à fait normal.
C'est tout à fait normal. C'est comme si toi, t'allais dans la rue demain, on tire sur ton pote. Quoi? Il se fait tirer dessus. Bon, bah, c'est tout à fait normal. Ce jeu n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a un petit truc aussi là-bas, il y a un petit camp d'entraînement. On va aller faire des pompes. On va aller faire des pompes. Ici, déjà ici, je comprends pas comment se fait-il qu'il y ait des cailloux. Hein? Pourquoi il y a des cailloux à cet endroit-là? Pourquoi? Ça n'a aucun, mais aucun sens. Mettre des cailloux, en plus, le genre, les cailloux ont fait que le camion s'est retourné. Hein. Je sais pas comment il a fait ça, mais il a bien géré. Attendez, je vais juste augmenter la luminosité. La luminosité, je vais juste changer le temps, histoire qu'on voit un petit peu mieux. Ah, bah voilà. Alors, voici toutes les personnes qui sont en train de... Oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Allez, fais des pompes, là! Espèce de tricheur! Allez, c'est mou, tout ça! C'est mou, j'ai dit! Plus vite, plus fort! Allez! Eh, le petit rouquin, tu t'arrêtes pas, je t'ai dit. Le rouquin, tu t'arrêtes pas. Je t'ai dit que tu t'arrêtais pas. Allez, continue à faire vos pompes, là, c'est trop mou! C'est trop mou! C'est trop mou! Allez! Voilà, allez, allez! Faites vos pompes, j'ai dit! C'est trop mou, la bande de merde, va! Vous faites deux pompes et vous êtes déjà fatigué? Attends, c'est assez drôle de les voir. Regardez, ils vont tous se remettre en position. Oh non! Regarde, je les pousse et en fait ils tombent et en fait ils se remettent directement en position, c'est assez drôle. En fait, c'est la façon dont ils se remettent en position qui est what the fuck. Non. Voilà. Bon, faites vos pompes là, je reviendrai pour vous casser la gueule après. Hein, parce que là, c'est vraiment mou, hein, c'est trop mou tout ça. Et ici, nous avons un petit stand de tir. Mais qu'est-ce que vous attendez pour tirer? Attendez, moi je veux t'ai... Mais j'ai dit que je voulais tester, donc tu vas... Voilà, merci. J'ai dit que je voulais tester, merci. Hop là. Ah, mais c'est trop facile avec ça. Ouais, mais c'est trop facile. Oh, pardon. C'est trop facile avec le viseur. Moi, je tire dans la tête, ma gueule. Moi, je te tire dans la tête, je te bute. C'est pareil par ici. Et... Pourquoi t'as pas de casque, toi? T'as pas de casque. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va reprendre la Porsche. Attends, j'ai une idée. Oh, oh, je viens d'avoir une idée. Ça fait quoi si je fais ça? Le ce qu'il a fait. Et la priorité, ils ont beau, t'as beau faire ce que tu veux avec eux, à la fin, ils se remettront quand même à faire des pompes. C'est quand même dingue. Hein. Ils sont quand même fous, ces personnages, hein, sur GTA. Voyons voir ce que nous avons d'autre. Ici, nous avons une petite patrouille. On va faire le tour de la base militaire, voir ce qu'il y a. Ici, il n'y a pas grand-chose. Ici, nous avons un tank. Donc, jusque-là, rien de très méchant, on va dire. Un petit buzzard. Ah oui, il y a la zone ici. Alors ici, je vous présente la zone. Ça, c'est pour les experts à Miami. En fait, ils ont recréé une sorte de crash à l'intérieur du hangar, où ils ont même tué des compagnons, hein, ils ont quand même tué des personnes, pour faire en sorte que le rouquin des experts Miami puisse résoudre qui a fait ça. Mais bon, voilà, c'est juste pour les entraîner à être dans certaines situations. Donc il y a des hydras carbonisés. C'est une station essence, ça? Station essence qui a explosé, qui a tout fait péter. Des hydras, bon, enfin, il y a tous les crashs qu'on peut apercevoir sur un chien. Ça n'a aucun sens. Ils ont même tué leur compagnon. Les pauvres, ils ont tout tué. Ils ont tué tout le monde. Bon, il n'y a rien de très très intéressant dans cette zone, hein, parce que les crashs, vous les avez, vous les connaissez, et vous les avez déjà à peu près tous vus. Alors, on va aller là-bas, parce que j'ai déjà fait le tour à peu près. Ici, là-bas, est-ce qu'il y a quelque chose? Il m'a l'air d'y avoir quelque chose. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout ici. Ah, oh, déçu. Bon, après, pour le reste, là-bas, il n'y a rien. On va aller voir ici s'il y a quelque chose. Hop, téléporter. Oui, pointe. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Dans ce quartier-là, est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, j'ai pas vraiment spoon au bon endroit. Ah, la malchance. La malchance du spoon. Est-ce qu'il y a quelque chose à cet endroit-là?
A priori, non. Bon, bah, j'ai déjà fait à peu près le tour du monde. J'ai trouvé bien sympatoche quand même. Avec tout ce qui est possible de faire avec les militaires, on peut créer des sketchs, des scénarios. Ah si, il y a quelque chose ici. Ouais, bon, y a... c'est juste une barrière pour demander à rentrer, mais bon, je peux rentrer comme je veux, vu que c'est moi le patron. Mais j'ai trouvé bien sympatoche, on peut créer des scénarios et des sketchs vraiment hallucinants. Avec les mecs qui font des pompes, avec ceux qui sont à côté du titan et tout. Franchement, je l'ai trouvé vraiment stylé. Je sais pas ce que vous en avez pensé des sketchs que j'ai fait. Bon, je sais que mon humour laisse à désirer, mais bon, voilà, quand même, vous avez un petit peu compris. Bah écoutez, on va se laisser sur ces paroles. J'espère vraiment que ce petit, cette découverte de petits modes vous aura fait plaisir et que ça aura changé un petit peu des autres modes, style découverte de voiture ou même style découverte de maison, villa. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.